Coucou mes citrons, j'espère que vous allez bien. Moi je vais très très bien. Et aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo qui m'a été pas mal demandée, mais je dois vous avouer que dès qu'il y a eu la mode des Instagram contrôle ma journée, en tout cas chez les youtubeuses, on va le dire, beauté, voire vlog, etc., 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 je me suis dit ce serait pas mal de le faire sur MSP et sur les Sims. Donc je ferai, je pense, aussi une version Sims pour ça. Et du coup, voilà, j'ai déjà envoyé un petit... d'ailleurs, n'hésitez pas à aller déjà suivre mon compte Instagram. Si ça vous plaît, d'ailleurs, je ferai peut-être une autre partie, on verra bien. Et écoutez, pour le lien, il est dans la description de toute manière. Et pour le premier sondage que j'ai demandé, voilà, c'est j'aimerais bien commencer par du shopping, je dépense combien? Et là, je vous ai mis 10 000 Star Coins ou 100 000 Star Coins. Et vous avez décidé... à 41% contre 59% que je devais dépenser 100 000 Star Coins. Écoutez, c'est parti pour 100 000 Star Coins. Alors je me suis dit que si vous choisissiez les 100 000 Star Coins, que j'allais peut-être, parce que bon, acheter pour franchement 100 000 Star Coins d'affaires, ça fait vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup d'affaires. Et vu que j'ai déjà énormément d'affaires, d'ailleurs en plus, le nouveau thème, je le découvre, il est super beau. Là, ce que je vois, il y a des très belles choses. Je me demandais si je n'allais pas prendre les t-shirts, deux t-shirts à 50 000 Star Coins. Je pense que je vais faire ça. Et que du coup ça jouera, parce que voilà, je m'avance pas sur les demandes sur Instagram, je le fais vraiment au moment, voilà, je filme au même temps, à chaque fois je vous laisse un petit quart d'heure pour voter, et puis après je fais quoi. Du coup ce que je pense, c'est que je vais acheter, hop, un bleu et un rose, comme ça, après ça va jouer sur la prochaine demande. Vous allez voir, de toute façon vous allez voir. Écoutez, c'est fait, 100 000 c'est allé très très vite, hein, avec le t-shirt à 50 000 Star Coins. Et qui est là? C'est toujours la Kinzel, bonjour, en même temps c'est un petit peu ma chaîne, donc voilà. Alors, sur le dernier post que j'ai sous les yeux, je vous avais demandé, j'ai deux t-shirts 50 000 Star Coins, je vous les fais gagner. Et du coup comme réponse, il y a eu 82% de oui pour 18% de non. Donc moi j'étais persuadée de toute manière que c'est lui qui allait gagner. Et c'est pour ça, d'un côté j'avais juste avant demandé si j'allais acheter et si je devais faire, juste avant le shopping de 100 000 Star Coins. C'était pas pour rien non plus, je dois vous avouer, c'était parce que je me suis dit 2 fois 50 ça ferait voilà deux petits t-shirts à vous faire gagner. Si bien sûr vous auriez voté oui, mais bon c'est le cas. Donc maintenant je vais vous expliquer comment je vais vous le faire gagner, parce que ce sera pas directement en vidéo. C'est vrai que la vidéo je la fais assez tôt le matin, donc il n'y a pas forcément tout le monde qui est là au bon moment, donc ce serait dommage. Du coup je vais faire gagner un t-shirt pour une fille, un t-shirt pour un garçon. Enfin je dis ça, mais en fait j'ai acheté en bleu, mais je peux le donner avec une fille, mais c'est pas grave, j'en ferai gagner un autre avec limonade, voilà, avec limonade, je l'enverrai pour le garçon avec limonade, donc il n'y a pas de souci d'entourie. Maintenant pour le gagner, il suffit juste de mettre dans les commentaires, vous mettez votre message normal, comme vous l'auriez fait normalement. Vous mettez un petit hashtag 50 000 et vous mettez votre pseudo MSP, parce que si vous oubliez votre pseudo MSP, je pourrais pas vous l'envoyer, ce serait dommage. Donc voilà, petit hashtag 50 000, et puis j'aurais compris que vous êtes arrivé jusque là dans la vidéo et que vous souhaitez participer à cela. Donc bien sûr vous n'êtes pas obligé de marquer le je participe, etc., etc., etc. Mettez juste le hashtag 50 000, ça suffit. Et écoutez, je vais vous faire une nouvelle demande. Cette fois-ci je vous ai demandé, je change de look mais je sais pas quoi mettre. Alors honnêtement, je m'attendais à ce que j'avais mis soit look dégueu, soit look sexy. Alors je me suis dit, vous allez tous me dire look dégueu, histoire que voilà, je fasse un look dégueu quoi. Enfin, dégueu genre moche, pas beau, n'importe quoi, etc. Vous m'avez demandé quand même à 89% de mettre un look sexy. Alors là les gars... pourquoi pas, je vais le faire, hein, je vais le faire, hein, je... Ça, vous avez dit look sexy, on va faire un look sexy, hein. Mais je pensais que, je sais pas, vous voudrez que je fasse un truc, voilà. Surtout qu'elle est très jolie. Mais après, là, c'est pas forcément un look sexy ce que j'ai, c'est un look féerique. Donc, on va essayer de trouver un look sexy, là, un peu, je sais pas. On va voir, on va voir. On va faire ça ensemble. J'ai tout lui enlevé. En plus, je lui avais fait un look trop beau. Et écoutez,
Qu'est-ce qu'on va pouvoir lui mettre? Alors, pour un look sexy. Ça me paraît pas mal. Mais on va voir ce qu'il y a d'autre. Un look sexy. Et vous me direz d'ailleurs si, d'après vous, j'ai quand même réussi ou pas à faire le look sexy. Bah, il y a ça aussi qui est pas mal. Un look sexy, ça irait très bien en fait. A few moments later. Bon, j'ai fini le look. J'espère qu'il vous plaît. Dites-moi d'ailleurs, qu'est-ce que vous en pensez. Du coup, ben, à la place du collant, j'ai mis une sorte de petit... Je sais plus comment ça s'appelle, ça. Oh merde. Une sorte de porte-jartel. Enfin, je sais pas trop ce que c'est. Un sort de bijou sur la jambe. Un petit tatou. Un petit collier avec une rose noire. Je la trouve très jolie. Je trouve que ça va bien avec le reste de la tenue. Un petit tatou ici, je trouvais ça joli. Les petites boucles d'oreilles, les petites étincelles. Ah, peut-être que je devrais peut-être juste lui changer les yeux. Maintenant que j'y pense, franchement le reste, bah après la bouche, hein, franchement, bah c'est, faut dire ce qui est, hein, bouche de coin, bouche sexy quoi. Donc ça on va lui laisser. Par contre les yeux, je vais peut-être juste lui changer. Peut-être que je vais mettre les yeux fume noir, ça ferait genre joli. Après, ça ferait peut-être un peu too much, du noir un peu partout. Peut-être que... Ah non, c'est pas du noir, hein, c'est du bleu. Et là, c'est du vert. Le vert, ça fait joli aussi. Bah attendez, on va aller voir un peu plus loin ce que l'on a. Bah la noire, je pense que ça fait voilà. Bah après, peut-être du beau bleu, ce serait sympa. Est-ce que j'ai des yeux bleus déjà? En grands yeux, non, j'ai pas. On va laisser en noir et puis pour la bouche, voir peut-être si j'ai du rouge. Si j'ai du rouge en bouche coin-coin, ce serait pas mal. Et ne me dites pas que j'ai pas de bouche rouge coin-coin. Par contre, nude, ça passe aussi. Nude, ça passe aussi, ça fait sexy. Bah écoutez, voilà, bah mon look sexy. Dites-moi si j'ai réussi ou pas ce défi. Hein, moi, je trouve que ça fait très très sexy. Bah, là, rien que la bouche toute seule, hein, ça suffit. Et bah, on va passer à la décision suivante, hein, tout simplement. Pour la demande suivante, je vous avais demandé sur Instagram, je quitte ma petite copine. Alors désolée Lalo si tu viens par là, mais bon, je voulais que je rajoute un petit peu de drama à la vidéo. Et je vais me faire insulter. En plus, c'est pour ça que je fais la vidéo le matin, histoire qu'elle le voit pas, parce que sinon elle va m'envoyer un message. Non, me quitte pas. Mais t'inquiète pas Lalo. Puisque la réponse a été oui à 35% et non à 65%. Vous avez été quand même sympa. Vous avez été sympa. Franchement, je m'attendais à ce qu'il y ait un peu plus de drama dans cette vidéo. Et finalement, vous êtes cool parce que bon, à part la fois, vous me demandez de dépenser plus d'argent. Et encore, c'est pas mauvais en soi. Hein, c'est pas comme si j'en manquais. Tout le reste, c'est que des trucs positifs, quoi. Donc là, je quitte ma petite copine. Non, donc comme vous le constaterez, elle est toujours dans ma case d'amoureuse. Voilà, donc gros bisous à toi, Lalo. Et voilà, t'inquiète pas, de toute façon, ensuite, je t'aurais redemandé derrière. Hein, c'est pas grave. Pour la dernière demande, j'ai franchement hésité à le faire parce que je me suis dit, il y a peut-être des gens pour le challenge, pour rigoler, ils auraient dit oui. Et vu que je respecte ma parole tout le temps, je me suis dit que si vous auriez voté oui, j'aurais réellement dû le faire. Je vous ai laissé, je pense, 20 minutes pour répondre à celle-ci parce que je me suis dit, bon, fallait quand même que je vous laisse le temps qu'il fallait pour qu'il y ait assez de votes pour que ce soit crédible quand même. Et du coup, ben, écoutez, ben, je vais vous expliquer, c'est je supprime mon compte, oui ou non. Bon, j'ai quand même mis un petit smiley triste pour vous dire que je rigole vraiment pas. Donc, votez bien parce que je ne serai pas revenue sur la décision. Du coup, je vous ai laissé... Ben, là, il est marqué 17 minutes au moment où j'ai pris la photo pour voter. Et du coup, vous avez été 14% à dire oui. 14% à dire oui, quand même. Et 86% à dire non. Donc merci beaucoup, je me suis littéralement chiée dessus au moment où j'ai fait ce sondage-là. Je ne devrais pas supprimer mon compte en vidéo. Donc d'un côté, ça me rassure énormément, ça me fait plaisir quand même que vous préférez que je garde mon compte. Et en postant cette demande, franchement, je me suis dit, et si les gens, pour te troll, ils auraient dit oui, même pour à la base, pour rigoler à la base. Voilà, et que finalement il y a plein de gens qui rigolent en même temps, et que finalement plein de gens votent, parce qu'au moment où on vote, je crois qu'il n'y a pas possibilité de savoir combien il y a de pourcentage, et là boum, genre je sais pas moi, 70% ou même 51% de oui, tu vois.
Oh mon dieu, je peux respirer, je peux avoir respiré. Au moment où j'ai lancé le sondage, j'étais en... Oh my god, Arlette, qu'est-ce que tu fais, Karza? Mais t'es folle, pourquoi tu fais ça? Plus d'un an que je suis dans le game, et toi tu veux tout supprimer en... pour une vidéo, merde. Mais bon, c'est le jeu, je suis super contente des choix que vous avez faits. Parce que, bah, merci beaucoup, vous me demandez pas de supprimer mon compte, donc ça fait plaisir. Mais je suivrai un petit peu quand même le sondage, même plus tard, pour voir si à un moment, est-ce que ça aurait pu être oui, tu vois. Mais bref, en tout cas, merci beaucoup, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce, à lâcher un petit commentaire et à me suivre sur Instagram si vous voulez peut-être que je fasse une suite. D'ailleurs, bah, si vous voulez une suite, précisez-le également. Et sur ce, moi je vous laisse jouer de très gros bisous. Et puis je vais aller prendre des médicaments pour me calmer, parce que là le stress n'est pas encore redescendu. Voilà, allez, je vous fais de très gros bisous et je vous dis à bientôt. Ciao ciao.